Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors aujourd'hui les gars, je l'ai mis au prix du 85 qui est vers les 90 000, donc je l'ai mis 89 500. Voilà. Vardy aussi, les gars, chopé 195, on leur met 309. Mais quand il va partir, on va prendre pas mal encore. Et après, je n'ai pas mis tant que ça. Hein. Je vous ai dit, hein, je n'ai que mon Higuain. Vous voyez, j'en ai déjà vendu un. J'ai remis le deuxième.
Le premier, je l'avais vendu à 308. Je sais pas, pour regarder dans ma vidéo. Celui-là, j'attends, voilà, on l'a mis à 307, celui-là. On l'a chopé 169, on le remet à 307. Voilà, si ça repart, les gars, on va reprendre encore du 100, 120, 130 000 crédits. Je suis sûr, il va partir dans la semaine. Avant ce week-end, il est parti. Enfin, j'espère. Puis si par quoi, je sais pas, je m'en fous. Et on continue, bon. Et Sanchez, les gars, Sanchez, j'ai oublié. Donc on a pris le Sanchez 87, on l'a mis au prix du 88. Donc celui-là, on l'a chopé à 135 000 crédits, on l'a mis à 209 000. Voilà, dès que ça va partir, on va prendre encore des crédits. Puis je crois bien que c'est tout. Hein. En même temps, vous pouvez regarder s'il y a encore Buffon. Donc Buffon, on l'a acheté 57 000 et on l'a remis à 89 000. Lui, pareil, on a acheté le Buffon Record Breaker pour le mettre à son top. Donc le problème avec Buffon, c'est qu'il n'y a pas trop d'écart. Ouais, on l'a acheté déjà 57 000. Et après son tot, il n'est pas trop cher, il est juste à 90 000. Mais bon, si ça part, voilà, on prendra 25 000 crédits. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Donc voilà. Donc là, je sais pas si vous avez vu, j'ai quelques joueurs là, vous voyez tous ces joueurs là. Je sais même pas si vous voyez tous ces joueurs là, les Silva, les Hulk, tout ça. Je sais pas si je vais racheter des joueurs en TK, non, je pense que je vais mettre que des TK pupus. Puis voilà, les gars, je vais lister toute la journée. Je vous dis, s'il y en a deux ou trois qui partent par jour, moi ça me suffit. Si à chaque fois sur une TK pupus, il y a au moins plus de 30 000 crédits, voilà, s'il y en a deux ou trois. C'est parfait. Comme ça m'évitera à chaque fois de racheter mes joueurs en TK avion parce que j'en ai marre à force de les racheter. Donc voilà. Donc dites-moi si vous voulez encore que je vous monte encore mes ventes comme ça en TK plus tout. Parce que voilà, ça fait déjà 3 jours de suite que je vous monte. Mais bon, j'ajuste de la test, voilà, ça marche très bien. Comme je dis, moi je suis plus spécialisé dans l'achat-vente. De temps en temps je fais des matchs. Mais bon, voilà, quand on fait des grosses ventes comme ça, j'espère qu'il y en a qui font pareil et qui prennent surtout des crédits, les gars. Voilà, c'est pour que vous mettiez pas votre carte bancaire et voilà, que vous achetiez. Enfin, pas que vous achetiez des crédits, ouvrez des packs, voilà, qui servent à rien. Vous pouvez faire de l'air, oui, vous faites. C'est vrai, moi je fais combien de temps d'air? Allez, une heure par jour, voilà, j'ai une heure sur la console si je suis pas en live. Je rachète tous mes jeux, puis ça y est, après je relise tout. Ne croyez pas que je fais des. Il y en a qui font de l'achat à vendre pendant 4-5 heures par jour, ils m'ont toi. Après voilà, il suffit juste de suivre les techniques, après vous avez pas mal de crédits, ou voilà, vous prenez la tech. Je pense faire la vidéo, les gars, comment vous expliquer comment c'est avec la. Mais bon, dites-moi toujours si vous voulez que je vous montre encore mes ventes ou bon, vous voulez non plus. C'est vous qui décidez. Bon, les gens, je vous laisse et sur ce, plus 70 000 crédits aujourd'hui. Hier, plus 120 sur Iguen et avant-hier, plus 35 000. Donc, je l'ai dit, les gars, on a plus de 200 000 crédits avec la tech plus en 4-5 jours. C'est très bien, c'est très 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 bien. Donc, les gens, allez, je vous laisse et à la prochaine. Allez, ciao à tous!